Merci André et Noël, et félicitations à Olivier Choignard, notre lauréat. En plus de vos félicitations exprimées par clavardage, il y en a déjà plusieurs et je vous encourage à le faire, en plus des accolades des membres des jurys aux lauréats désignés, en plus des trois finalistes, bien évidemment, il y a aussi une autre reconnaissance et un hommage, une autre de nos invités l'évoquait tout à l'heure, une œuvre créée par le romancier et musicien Robert Racine, qui va faire le bonheur, j'en suis convaincu, des lauréats de ce soir. Vous connaissez probablement l'amour de Robert pour les mots, bien sûr dans l'écriture, mais pas uniquement puisque son œuvre visuelle en est chargée. Je n'évoquerai que le terrain du dictionnaire qui m'a absolument soufflé, les pages miroirs, le parc de la langue française, la musique des mots, etc. Bref, les mots sont présents toujours et autour de lui, et lui avec nous ce soir. Robert, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. J'ai toujours pensé que la création d'un artiste, peu importe cette discipline, devait pouvoir être offerte au plus grand nombre, comme un geste d'amitié et de reconnaissance, pour le simple plaisir de donner. Quand Laurier Lacroix, au nom de l'Académie des lettres du Québec, m'a demandé si j'accepterais d'offrir l'une de mes œuvres aux lauréates ou lauréats des prix de l'Académie, sincèrement, ça me fait autant plaisir que s'il venait de m'annoncer que j'étais un lauréat. L'œuvre que je vous offre avec un grand bonheur est une lithographie. Son titre est « Sans la nuit » et je l'ai réalisé en 2003. Il s'agit d'un vautour, un urubu à tête rouge, comme on peut en voir, je crois, dans les cantons de l'Est et sans doute ailleurs au Québec et au Canada. La figure de cet oiseau étonnant et si important pour l'écologie est entrée dans ma vie contre toute attente en février 1999 à Barcelone. Cette journée-là, je suis allé au zoo de Barcelone avec une amie. J'aime observer les animaux, même si, bien sûr, je n'aime pas les voir dans des cages. Alors, en marchant, sans chercher aucune espèce en particulier, je suis arrivé tout à coup devant la cage des vautours. Et j'ai été saisi littéralement par la scénographie. Ils étaient six, vautours fauves, vautours moines. Chacun était perché sur un trépied en bambou. Ils avaient l'air des caméras, disposées un peu partout dans l'espace. Ils semblaient posés, l'air royal, hautain. Ils nous regardaient à peine. Et parfois, j'avais l'impression qu'ils nous disaient « Comment osez-vous être des humains devant nous, vous qui ne pouvez voler, vous qui tuez bien souvent pour rien, pour rire, vous qui enfermez. » Et je me souviens cette journée-là, je me suis dit un jour, je veux écrire cette scène que je vois, cette cage, ces présences. Pendant 7 ans, de 1999 à 2006, j'ai dessiné pas loin de 500 vautours, sans penser à rien. Ils ont fait halte en moi. Ils avaient des choses à me dire, je crois. Je les ai écoutés attentivement, intérieurement. Et un jour, je me suis rendu compte que je ne les dessinais plus. Ils avaient repris leur migration. Et aujourd'hui, je suis content de savoir qu'il y en a 4 qui sont partis vers vous, lauréates et lauréats. À vous, Michel Desautels. Merci, Robert Racine. Oui, oui, voilà, de beaux oiseaux. J'ai hâte de voir ça. J'ai très, très hâte d'avoir l'occasion, j'espère, en tout cas, de les voir. Merci, Robert Racine, et bravo à celles et ceux qui recevront cette œuvre d'art au cours des prochains jours. Le prix Ringuet, maintenant. Le prix du roman, c'est bien sûr un des membres fondateurs de l'Académie, Ringuet, le docteur Panton. En plus d'être médecin, c'était un romancier qui... voulait, dans le fond, c'est un peu un précurseur parce que la terre telle qu'on la connaît, la terre romantique, la terre du cultivateur d'autrefois, qui est menacée aujourd'hui par non seulement nos comportements écologiques irresponsables, mais le développement à tout craint,
on peut dire que c'est déjà là sommé dans son œuvre. Et pour remettre le prix Ringuet de cette année, donc pour le roman, on va entendre d'abord Catherine Mavrikakis, la présidente du jury de cette édition 2020. Catherine Mavrikakis, qui enseigne la littérature à l'Université de Montréal, essayiste, romancière. Son récent ouvrage « L'absence de tout bouquet » est consacré au deuil de sa mère, je voudrais le signaler. Elle est membre de l'Académie des lettres depuis 2017 et ce soir nous fait la gentillesse de présenter son jury et leur sélection. Catherine? Merci beaucoup, Michel, de cette présentation et merci surtout pour cette belle animation. Voilà, le jury du prix Ringuet, qui récompense un récit, un roman ou un recueil de nouvelles, a reçu cette année plus de 135 œuvres, ce qui témoigne de l'attrait de ce genre littéraire et de la puissance créatrice des écrivaines et des écrivains québécois. Ces œuvres, faisant vivre des univers littéraires très divers, se voyaient préoccupées par l'invention de formes littéraires, par le monde actuel et les possibilités d'habiter l'espace et la terre, par les identités en devenir et par les manières de penser à de nouvelles conceptions du vivre ensemble. Le jury a reçu avec enthousiasme ces œuvres. Nous étions un peu excités par le nombre considérable de livres. Et donc, le jury composé de France Théoret, Gérald Godet et moi-même a travaillé dans une grande convivialité, une amitié. Et je tiens à remercier mes deux collègues et amis parce que nous avons été très heureux de pouvoir travailler ensemble et ça a été un plaisir de travailler avec vous, je tiens à le dire. Nous avons choisi donc trois livres finalistes. Il s'agit de « Désormais, ma demeure » de Nicolas Dawson au groupe Nota Bene, d'autobiographie de l'étranger de Marie-Ève Lacasse chez Flammarion Québec et de rayonnement de Ying Shen aux éditions Léméac. Laissez-moi vous présenter le roman de Ying Shen, Rayonnement. Que peuvent penser les morts de leur vie? Quel dialogue entretiennent-ils entre eux ou encore avec ceux et celles à qui l'existence appartient encore? Que dire de la science si ce n'est qu'elle reste une monnaie à double face, porteuse du pire comme du meilleur? Comment envisager un passé qui, au nom de la science, a pu participer au mal ou le créer? Fantômes capables d'habiter le monde autrement, de parcourir le temps et l'espace tout en existant et n'existant pas, la narratrice de Rayonnement croise les disparus. Dans ce monde de l'entre-deux, que seule une langue hors du commun sait faire exister, peut-elle voir pleinement la force folle du rayonnement de ses actions, de son passé, sa trajectoire de femme scientifique? De l'œuvre émanent les lumières lointaines, parfois claires, parfois obscures, des vies de Marie Curie et de sa fille Irène, puisque le récit reste à l'image de nos morts, insaisissable et pourtant obsédant. Le roman parvient à irradier la matière même de l'existence, à la fois bienfaisante et toxique. De ce texte, nous revenons contaminés, capables d'accueillir l'idée d'un anéantissement terrifiant que le progrès a en quelque sorte prémédité. Je vais céder la parole à mon ami et collègue Gérald Godet qui va pouvoir nous présenter le livre de Nicolas Dawson. Il y a chez Nicolas Dawson, dans Désormais ma demeure, publié chez Triptyque, une bienveillance reçue et donnée qui est presque politique. Cette façon de bien veiller
de la rendre toujours agissante, ce pourrait être une manière très assumée chez lui de répondre aux agressions du monde, en soi et hors de soi, que connaissent trop bien les exilés, les opprimés, les réprimés. Il y a bien sûr une dépression dite dès le départ, qui sera décrite, étudiée, représentée tout au long de ce récit de soi qui tient autant du roman que de l'essai et de la poésie. Il y a surtout, dès la première page, ce geste de l'amoureux qui pose la main dans le dos, geste qu'on imagine assez puissant, assez présent pour donner à celui qui se trouve aux prises avec les puissances de destruction en lui, la force d'affronter ce qui vient, qu'il lui faut dévisager, traverser et dévisager encore. Nicolas Dalson nous parlera de son départ du Chili, donc de son expérience de migration, de sa famille, de tous ceux qui ont vécu des ruptures radicales avec l'existence, mais aussi de ses lectures et de ses souvenirs qui, dans l'après-coup, dans le silence de l'hiver, de cet hiver-là, de la dépression et de long enfermement, ont nourri sa réflexion d'homme, d'écrivain et d'intellectuel. La dépression est un long voyage, écrira-t-il, qui ne peut se raconter sans convoquer tour à tour des souvenirs, des impressions, des réflexions, des théories, des sciences et d'autres ouvrages. Le récit du mal se transforme alors en études, chroniques, analyses, enquêtes, carnets, journal, fragments. Fin de la citation. Le regard de Nicolas Dalson est large, généreux, informé et lucide. Comment s'en étonner? Tourné vers soi, il est aussi tourné vers l'autre. Il allie l'intime, le social et le politique dans une prose affirmée qui donne autant à penser qu'à sentir. Une prose riche qui ne pouvait que toucher l'énergie du poétique. Je passe maintenant la parole à France Théoret qui va vous présenter le livre de Maria Blacas. Bonsoir. Le roman de Maria Blacas, Autobiographie de l'étranger, possède un style assuré où le fragment montre la force concise de la langue de l'écrivaine. Par touches disséminées, la romancière parle de la volonté, des recommencements, des doutes et des hésitations à dépasser, de la confrontation nécessaire d'une page à l'autre, de l'anticipation de l'échec possible, en somme, ce qu'est l'écriture. Originaire de l'Outaouais, l'écrivaine, dont le personnage porte le nom de Marie-Ève Lacas, a décidé de vivre à Paris, où elle a acquis la naturalisation française et vit avec une femme et un enfant. Elle nous livre des observations lors de ses retours au pays. Son roman comporte une critique courageuse et passionnée du sol natal. Y a-t-il un pacte de vérité? Puisque, selon le titre, il s'agit d'une autobiographie. Sous le signe de la subjectivité, il s'y trouve des affirmations et des tremblements assumés, de même des références à la littérature et aux écrivains. Aussi, des énoncés sur la peur, sur l'angoisse et sur l'idée que c'est toujours un effort de vivre loin. Se confronter au bonheur paradoxal de l'épreuve, écrit-elle. C'est non sans émotion que je vous annonce que la lauréate du prix Ringuet est Ying Chen pour Rayonnement aux éditions Les Méacs.
Bravo Ying Chen. Je voudrais simplement dire que Ying va parler à caméra fermée, je crois, parce qu'elle a beaucoup de mal avec sa bande passante et elle va pouvoir nous réussir à nous dire quelques mots grâce à la simple ouverture de son micro. Merci. Je voudrais dire mes profonds remerciements au jury de ce prix aussi prestigieux et à l'Académie des Lettres du Québec. C'est un très grand honneur qui m'émouvoit. Et j'envoie l'expression de mes reconnaissances aussi à Pierre Filion de chez Le Méac, qui croit en mon travail et de qui j'apprends beaucoup sur le plan de la langue. Je suis très heureuse de connaître par cette occasion les titres lauréats et finalistes de l'année en tout genre qui me paraissent très attirants, choisis par nos experts en qui nous faisons confiance. Ranguet est un écrivain mort avant ma naissance, quelqu'un qui a vécu des époques, des grands changements, qui a traité de la paysannerie face à l'industrialisation triomphante. Et avec un siècle de décalage, c'est exactement ce qui se passe dans mon pays natal en ce moment même. J'ai donc parfois l'impression d'appartenir à cette génération des Québécois avec un siècle de retard, sinon plus. Je pense toujours que les chocs culturels sont avant tout les chocs des temps. Alors, je crois comprendre ces aînés québécois, leur détresse, leur déchirement et leur complexité tant psychologique que spirituelle liée à toute forme de déracinement quand l'ancien monde se fait conquérir, se fait remplacer, se fait délaisser. Merci Catherine Mavrikakis et aux membres de votre jury pour la désignation de ce prix de cette année.